L'éclairage pro, ça change tout. Regarde-moi ça. T'as vu, tout de suite, ça fait beaucoup plus qualitatif par rapport à une lumière lambda. Ah ben oui. T'as vu comment il fait qualitatif, l'éclairage? Ah oui, dis donc. Non, en fait, tu veux sans doute dire qu'il est de bonne qualité, ton éclairage. Ah bah oui, de meilleure qualité en tout cas qu'un éclairage amateur. Oui, bah alors dis-le alors, parce que qualitatif, ça veut pas dire du tout de bonne qualité. Et non, pas du tout. Qualitatif, c'est ce qui concerne la nature d'une chose, hein, ses éléments constitutifs, tu vois, par rapport à quantitatif, quoi. Donc, tu peux dire qu'il y a une différence qualitative entre les deux types d'éclairage. Eh oui, mais pas que l'un est plus qualitatif que l'autre. Non, ça veut rien dire, non. Et pour la bouffe, c'est pareil. Et des choses variées pour un budget qui est, somme toute, très raisonnable, à peine plus qu'une formule sandwich, mais beaucoup plus équilibré, beaucoup plus qualitatif. Eh ben non, ton boucher, il fait pas des plats plus qualitatifs que les sandwichs de la boulangerie. Ils sont de meilleure qualité, c'est tout. Donc, ta nourriture est pas qualitative, mais de qualité. Tu n'as pas un domaine qualitatif, mais des compétences. Tu ne descends pas dans un hôtel qualitatif, mais dans un bon hôtel. Non, le truc à retenir, c'est que 9 fois sur 10, quand tu t'apprêtes à dire qualitatif, eh ben c'est pas ça que tu veux dire. Plus l'audio serait qualitatif, et plus il remplacerait la vidéo parce que on serait du coup amené à faire deux choses à la fois. Tu vois, l'audio serait de qualité, ce serait pareil. Hein, ouais. Alors te force pas, bon sang de bonsoir. Ce qu'on a eu en énorme, écrasante majorité, c'était la super qualité. Oui. Hyper qualitatif. Ah non, dommage. Dommage parce que j'étais à deux doigts de te donner ma langue. Crazy rock and roll music anyway.